Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous allez bien. Amen. Je vous ai écouté bien chanter. Amen. J'ai vu la joie s'exprimer. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je vous asseoir juste un peu. Malgré que tout le monde n'est pas là, mais on n'attend pas les gens. C'est l'homme qui doit attendre Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ok, j'avais parlé ici des gens qui doivent s'exercer dans l'office pour cet exercice 2018. S'ils sont là avec l'air de pause, qu'ils viennent vite, je vous présente à l'église. Il n'y a pas qui doit travailler pour le Seigneur. C'est des exercices 2018, c'est bien vite. Mais même pas une acclamation. Ah. Voilà nos frères que nous avons pu dépendre de pouvoir travailler cette année ici dans l'office. Ils sont là devant vous. Amen. Je veux aussi que les femmes viennent, chacun se mette devant son mari. Et ne trompez pas le mari, s'il vous plaît. Venez vous. Donc, un chrétien doit être un témoignage pour l'extérieur et pour l'intérieur. Amen. C'est pourquoi nous avons cette responsabilité d'être vraiment un soutien pour mon mari, de les aider, de prier pour eux, de les conseiller même comme Myriam a fait pour Moïse. S'il veut se comporter très mal, il veut aller à la côte de la parole de Dieu, prenez la parole de Dieu, parlez avec eux, réglez-le. Si le mari vous tape, hors de l'église, vous devez venir ici
pour me dire. Comme ça, nous allons demander au frère, comme il n'est pas encore mort, il a connu un démon de bagarre, nous allons lui demander de pouvoir vraiment se reposer. C'est pour son propre bien. Venez vite faire Yannick avec son épouse, et le frère son épouse. Je crois que le prisonnier la sœur ne va pas arriver. Voilà l'équipe qui va travailler avec nous ici. Et il faut qu'il fasse le respect pour que l'ordre règne à l'église. L'amour doit régner parmi les brebis. Et surveiller. Ah d'accord, tu as oublié ton mari. Ma baisse. D'accord. Donc voilà l'équipe est là. Et je vous ai dit la fois passée que cet exercice ici, c'est le frère Yannick qui doit conduire l'église en tant que président de conseil des diables. Par le frère Adala, parce que le frère travaille, il est un peu occupé, mais ce serait son collaborateur direct. Et à chaque réunion qui se tiendrait dans le conseil de diacre, le secrétaire doit être là pour prendre des notes en collaboration avec le conseil, avec le président du conseil de diacre, et ils me font tout un document qui sera présenté à l'église en cas où il y a des besoins. Traitera les problèmes des brebis, même les problèmes des foyers, quand ça ne va pas, ils doivent y aller, ils doivent écouter, ils doivent parler pour que nous ayons un bon groupe, une bonne équipe, une bonne église où le Seigneur Dieu sera content de vous. Et ils ont le devoir de vous réprimander quand vous habillez mal. Nous ne croyons pas, n'est-ce pas, aux habillements qui vont à l'encontre de l'évangile. Que ce soit les frères, que ce soit les sœurs, quand vous entrez ici, il faut être bien habillé. Et frère Branham dit, quand vous désobéissez à un diacre, vous êtes obligé d'aller en prison pendant 5 ans avec une amende. Donc les diacres, c'est le prophète. Je n'entends pas les amens. Les officiers de l'église, les diacres ont la responsabilité de veiller sur vous pour que vous soyez bien. Ils doivent être à votre écoute. Vous devez leur faire confiance. Vous devez, n'est-ce pas, leur livrer les problèmes qui sont difficiles, comme dans l'histoire de Moïse avec les autres. Et vous savez, je vais vous rappeler que l'homme d'église a été établi par un païen. Je ne sais pas si vous le croyez. Un païen Jéthro qui a imposé pour la première fois l'ordre de l'église. Donc, quand il a dit ça à Moïse, Moïse a écouté. Et Moïse est allé prier Dieu. Dieu a dit, faites ce que Jéthro vous a dit. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons l'ordre de l'église. Donc ce sont les gens qui travaillent avec Moïse pour résoudre les problèmes difficiles. Les problèmes secondaires et les problèmes difficiles seront, n'est-ce pas, traités par le pasteur. Donc le pasteur rêvé ou le pasteur, on sait vous quand je suis là moi-même. Vraiment, nous aimons bien et travailler en collaboration. Éviter tout ce qu'on appelle méfiance. Ce sont nos frères, ce sont des êtres humains, ils ont des manquements, ils ont des erreurs, ils ont des hauts, ils ont des bas. Mais si vous les supportez, si vous les aimez, vous témoignez votre amour pour eux, ils seront des meilleurs travailleurs dans la maison du Seigneur. Vraiment que le Seigneur les bénisse. Et en je vais prier pour chacun. Leurs femmes se tiennent la main et leurs maris se tiennent aussi la main. Non, les soeurs, attrapez votre mot là-bas. Les sœurs attrapez votre mot et les frères s'attrapent entre vous. Ok, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, je viens en tant que ton serviteur prier pour cette équipe, notre Seigneur Dieu, qui va exercer dans cette église à mon absence. Je t'en prie de leur donner une vie sanctifiée, de leur donner une vie purifiée, parce qu'ils sont des représentants, notre Seigneur Dieu, du Dieu vivant. Et donnez la sagesse, donnez l'onction de la guérison, miracle, l'onction de la bienfaisance divine. Quand ils prieraient pour les malades, que les malades puissent être guéris. Quand ils chasseraient les démons, que les démons s'en aillent. Et quand ils témoigneraient de toi, que les âmes soient sauvées.
et que leur conseil puisse avoir l'impact sur le brebis jusqu'à ce que chacun reviendra Père Tout-Puissant dans la bonne voie des enfants, Seigneur Jésus. Je les donne à toi, soutiens le Seigneur. Alors que notre Dieu, je voulais confier entre tes bonnes mains, dans le Tout-Puissant nom de Jésus-Christ, assiste le président du conseil des diacres. Sois avec lui, Seigneur. Donne-lui la sagesse divine. Et accompagne le Seigneur Jésus. Et sois un aide le Seigneur. Il soit un modèle pour les autres. Ainsi que le frère de l'âme. Qu'il soit avec toi, notre Dieu. Et qu'il soit soutenu par ta puissante mère. Et que ce qui soit maintenant abondé. Oh Dieu, donne l'amour entre eux, l'amour entre les femmes. Que chacun soit en paix alors que le Dieu est tout puissant. Je vous le confie ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme je l'ai dit la fois passée, les officiers de l'Église sont les premiers de l'Église. Et vous devez payer vos dîmes, vous devez payer vos offrandes. Et ça, je tiendrai vraiment la rigueur dessus. Parce que si vous ne vivez pas la parole de Dieu, vous ne serez pas aidé ou bien conduit de ce Dieu vivant. Donc, je viens m'en aller au trésorier. Ce n'est pas que vous donnez des millions, des centaines de milliards. Non. Même si vous donnez 10 000 francs à Dieu, sur les 100 000 que Dieu vous donne, sur les 50 000 que Dieu vous a donné, ça fait partie d'une vie digne de l'évangile. Amen. 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 Et nous voulons vraiment que la parole de Dieu soit appliquée. Et chaque fin du mois, je vais faire l'administrateur, les trésoriers au cas pour moi, un cahier bien dressé pour les diacres. Et je vois chacun avec sa dîme. C'est la parole de Dieu. On dit amen. Amen. Non, je n'ai pas entendu un amen. Et si eux qui sont les serviteurs commencent à faire ça, vous allez demander que les bébés vont appliquer ça. Merci beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et vous devez mener fille et fille de consécration de Dieu. Amen. Comme j'ai dit hier à la réunion, le frère, tu n'étais pas à la réunion hier, maintenant que je vous attendais. Je parle bien de mes frères. Ah, tu n'étais pas informé, hein? Désolé. Vraiment, désolé en tout cas. J'aurais voulu que tu sois là parce que j'ai donné de bons conseils aux frères, aux serviteurs de Dieu. Et je donne la charge au pasteur Jean-Bruno, au pasteur Révé, au pasteur Yves, de faire de tout leur mieux pour soutenir les jeunes, n'est-ce pas, pour ne pas dire jeunes, parce qu'il n'y a pas les jeunes, mais il y en a aussi, afin qu'ils évoluent très bien dans l'évangile. Ok? À propos de frère Thierry, le frère, et le frère qui se trouve à Beauvoir et tout, mon fils qui a l'économie, c'est qui? Le frère Johnny, le frère Chanel, hein, Chanel, hein? Ouais. D'accord, qui est là-bas, et puis qui encore? Le frère d'Okambo. Essayez un peu d'appeler les gens, parce que Dieu m'a donné un petit ministère apostolique. Et quand on va quelque part, on peut ouvrir une église, on est à quelqu'un. Amen. Donc, comme je disais la fois passée, je suis allé prêcher à Guinée équatoriale. Un pasteur a écouté l'évangile pendant une fois seulement. Et il a été converti. Pasteur pentecôtiste, il a laissé toute son église. Donc, moi, je vous parle ici, cette église-là est là-bas. Le dernier est vraiment appelé, que le pasteur est vraiment assis. Il a livré l'église au pasteur Lucas. Et il va prêcher le matin, là, prêcher le soir là-bas. Et le pasteur Lucas avait dit, pasteur, si on peut trouver vraiment des gens qui sont du réveil comme vous, ils peuvent venir ici en Guinée équatoriale pour que nous puissions travailler. Donc le travail, l'œuvre est en train d'avancer. Hein, comme je disais la fois passée, j'ai perdu toute une église en Afrique du Sud, qu'on m'avait confié par des frères qui m'ont écouté prêcher à Durban. Et ils m'ont suivi de Durban jusqu'à Johannesburg. Et le frère avait vraiment une église bien là. Ils ont dit non, là je ne peux plus prêcher. Parce que ça, on a jamais écouté ça. Et ils ont donné l'église. Et ils m'attendent tout le temps là que j'ai perdu, je ne pars pas là-bas, ils mettaient des bandes. Et les gens sont fatigués. Et un prédicateur de mauvais cœur est passé là-bas. Il a dit, mais vous ne pouvez pas attendre de passer pour vous jusqu'à quelle année. Donc il faut chercher à faire quelque chose. Et il s'est installé là. Et d'autres personnes l'ont accepté, d'autres ont boudé. Or, Franck dit, dans ce rangé du côté de Jésus, si nous pouvons avoir un groupe de jeunes bien formés,
Et quand il y a un besoin quelque part, nous les enferons pour aller prêcher. Donc je crois qu'on peut faire ça parce que nous avons besoin que le pays de la chambre puisse manger pour sa lèvre l'enfant. Vous voyez le frère Lucas de Guinée équatoriale, il a porté l'allégeance au pasteur Moussa Mbobé à l'église du Père Évangile. Donc les deux églises dont je parle là porteraient le nom d'église du Père Évangile. Je vois ce que je suis en train de dire. N'est-ce pas? Donc nous sommes en train d'avancer et je n'ai pas caché vraiment ma pensée là-dessus. J'avais dit au frère, hier quand nous étions de la réunion, j'ai dit parmi toutes les églises du message ici au Gabon, l'église du Père Évangile est l'église la mieux installée, implantée actuellement. Parce que partout, nous sommes déjà représentés. Même à Bitard, nous avons l'église du Père Évangile. Même à Oyer, nous avons l'église du Père Évangile. Actuellement, même à Minzid, nous avons une petite église du Père Évangile. Vous voyez comment Dieu est en train de nous faire avancer. Et je crois qu'on est en train de conquérir tout le Gabon. Dieu en avait parlé et Dieu ne ment pas. Oh, je peux voir tous les drapeaux du Père Évangile être placés partout. Alléluia. Et nous devons suivre la vision. Dieu donne une vision à quelqu'un, la personne apporte la vision et tous les autres doivent être derrière la vision. Amen. Si vous voulez être béni, vous voulez être prospère dans le spirituel, matériel, financièrement et physiquement, soutenez le pasteur Monseigneur. Ce que je vous dis, c'est la vérité, Dieu vous donnera. C'est la condition. Amen. Merci beaucoup. Nous allons apporter quelque chose à l'église ce matin. Et mettons le dévot pour lire la parole. Allez, ça va mettre les tables à lire en balentien. Ok. Nous allons prendre nos Bibles. Ça va la Bible, là, ça va. Et le frère, comment il s'appelle? Frère Charles. Frère Charles. Ah, vous, ouais, Charles. Vous profiterez de ceci. C'est ça que nous avions parlé le dimanche, hier dans la réunion du ministre. Et je voulais apporter ça aujourd'hui à l'église. Ok? Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 11. Et lire au talent de Genèse d'un poumon à mort. Et nous prenons le premier verset. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Quand ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chénéen et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il me dit encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Il est dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons et là, confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel le dispersa loin de la surface, loin sur la face de toute la terre. Et il se sert de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit leur langage de toutes les langages de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, merci pour la parole ce matin. Et les enfants qui vont l'écouter, puissent la révélation de la parole est avec nous. Soutiens chacun, Seigneur, qui écouterait ceci. Et s'il y a des gens malades qui soient guéris dans leur chair, il y a des gens malades spirituellement qui soient guéris dans leur esprit, puissent le Saint-Esprit accomplir et manifester sa gloire.
De manière que chacun de ses enfants, Seigneur, vous êtes soutenus par toi. Je les ramène tous dans ton main. Accordez la paix dans le tout puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour vous asseoir. Et par la même occasion, vous pouvez saluer votre frère. Vous pouvez saluer votre soeur. Amen. Amen. D'accord. Je voudrais parler ce matin sur l'unité. Mais j'aimerais parler sur l'unité. C'est un sujet très capital. Et partout où il y a la race humaine, l'unité est exigée. Je dis bien partout. Je crois que les meilleures personnes sont déjà rentrées en fonction. N'est-ce pas? Nous venons de lire dans Genèse chapitre 1. Il s'agit de quelque chose qui a été réalisé par les humains. Le voulu déjà et bali, maman ça. Il y avait un homme puissant après le déluge. Voulant pas lui, on voulait une image qui s'appellerait numéro. Vous me direz qui voulait numéro. Numéro, d'après la Bible, était un homme puissant. Numéro de voyage à la Bible, là qui voulait pas. Et il a mené des conquêtes. Il a conquis beaucoup de villes là-bas en Orient. Et vous allez remarquer qu'il a été même le constructeur de Ninive. Mais il avait sa capitale dans Babel. Et le mot Babel veut dire confusion. Et il avait de grandes pensées, de grandes ambitions dans sa vie. Alors comme il avait l'autorité sur tout ce qui était autour de lui, il a pris le peuple qui le dirigeait. Et je vais vous informer que ma mère, je veux dire Nimrod, avait épousé sa mère. Nimrod, oh, il y a un mabal. Et dans leur union, ils ont eu Tammuz. Et Tammuz est cet enfant, quand il est né sous un arbre, alors les gens de la ville sont arrivés sous cet arbre-là pour appeler ça l'arbre de Noël ou l'arbre de naissance. Et à partir de là, ils ont commencé maintenant la doctrine selon laquelle Jésus est né le 25 décembre. En soi, c'est la naissance de Tammuz, le fils de Nimrod. Et la maman de Nimrod était Sémiramis et Sémiramis était donc après la mort de son père, allez, il a pris sa mère pour l'épouser. C'est un enfant terrible. Amen. Alors cet homme-là, il a réuni tout le peuple qui était à son entourage. Il a dit, nous allons commencer une organisation, nous allons commencer une dénomination. Et remarquez en lisant la Bible dit que c'est pour faire un don. La Bible dit quoi? Faisons-nous un don. Et notre propre parole dit, l'objectif que le diable avait au ciel, de former un royaume ivoirien, de former un royaume où lui il a la main mise. C'est la raison pour laquelle il a divisé les anges au ciel. Et ces anges-là sont descendus sur la terre. Et ces anges-là ont été papiers sur le monde. Et Nimrod a été roi et inspiré par Satan. Afin que l'œuvre que le Dieu a commencé au ciel, que ce peuple-là puisse avoir besoin de sa fin sur la terre.
C'est pourquoi le Dieu de Satan a inspiré du roi pour bâtir un tour. Un tour. Dit la Bible que le sommet touche le ciel. En d'autres termes, il voulait amener les gens au ciel par l'église. Oh, pour aller au ciel, ce n'est pas l'église qui vous amène au ciel. Ne comptez sur personne pour votre vie chrétienne.
comptez sur la parole de Dieu. Vous êtes pour appeler les gens. Vous faites la parole vous conduire. Si vous appelez les vidéos jusqu'au bout. Je te le vois. Ne vivez pas la parole parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Gagnez la parole parce que vous n'avez pas besoin. Et quand la personne ne vous regarde pas, vous pouvez vous comporter comme vous voulez. Ce qui est vrai, vous serez au ciel en tant qu'individu. Parle quelqu'un d'autre. Donc vivre la parole, ça doit être un individuel. Entre toi et tu, même pas ton voisin. Vous êtes chrétien, ou chrétien en tant qu'individu. Il n'y a personne qui vous influence. La seule personne qui doit influencer votre vie, c'est la parole. Dites amen. Dites amen. Et si je suis pasteur, le pasteur, et que je prêche pas la parole de Dieu, moi tu ramènes jamais, et je nourris pas le peuple de manière correcte, moi il y a un coup à jamais téléphoner. Je dois quitter la chair. On veut me tiens balayer. C'est un problème de la vie éternelle. Et la vie éternelle ne se négocie pas. Comme je dis ça à mes collègues hier, c'est une grande responsabilité que le pasteur Sonny vous a donné. Frère, à toi. Vous ne vous y attendez pas. Le pasteur Sonny va faire un effort pour que l'église soit là. Pasteur, aussi parle pour que vous compreniez. C'est parce que le ministère de l'église est né. Non, mais après, moi, t'as déjà dit. Je vous prends. Mais hier, ouais. Je fais de vous passer associé. Mais si on passe à Yomoula. J'avais parlé hier. Mais tu es quand même pas. Vous devez savoir comment aimer le pasteur et respecter le pasteur. On veut que les gens ne le pasteur, mais les images. Et c'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça. J'avais pas la tournée de la cafoie. Parce que tous, nous n'avons pas le même ministère. Et je ne peux pas faire le travail là moi-même. Alors étant moi-même une personne qui a laissé ma vie, mon ministère engendre les enfants. Et je mis la main dans mon économie. Toi tu es sage. Toi tu peux aider tes frères. Toi tu peux conduire les gens. Tu as une maison. Mon papa est là. La maman est là. Il y a comme des enfants qui ont grandi. Qui peuvent prendre la responsabilité de ses frères à la fin de papa. Dis amen. Et je veux que les choses soient claires. Et je veux que chacun connaisse la responsabilité du pasteur. Et je veux que chaque pasteur associé soit à sa place. Vous devez connaître votre place dans le plein évangile. Non, je n'ai pas donné un nom. Amen. Oh, comme quelqu'un me pose la question, pasteur. Prenez-vous là, vous savez, pasteur. Pourquoi est-ce que l'église n'est pas autonome? Pourquoi l'église n'est pas autonome? Le père de l'évangile est autonome. Le père de l'évangile est autonome. Je pose la personne de prêcher. Moi, la foule, moi, tu es c'est comment je vais prêcher. Amen. Chaque prêche, c'est l'homme d'inspiration et la révélation que Dieu lui donne. Vous l'avez emballé, mais on finit. Et je ne me pose pas au prédicateur de prêcher ce que je veux. J'ai la responsabilité de surveiller ce qu'il prêche. Si ce qu'il prêche n'est pas la parole de Dieu, j'ai l'autorité de corriger ça. Parce que c'est un problème du salut. Et un véritable pasteur doit se soucier de la conduite de l'homme qui mange de lui. Et ça facile. Je ne négligerai plus ça. Mais comment vous allez attaquer le foyer? Après chaque réunion de dimanche, on n'est pas le foyer dimanche. Je prends mon téléphone. Mais il y a moi-même. Je prends le mandat. Mais tu sais, moi là. Je prends Libreville. Mais tu sais, Libreville. Je prends Jandy. Mais tu sais, pas Jandy. J'appelle le Conja. Mais tu sais, au Conja. Je veux savoir qu'est-ce que les Libreville ont mangé. Mais toi, il y a qui est mon nom. Vous devez m'expliquer comment vous allez aborder le sujet. Encore tout le monde va dire ça. Frère, à moi. Ne pousse pas, arrête ça. Je veux voir le Dieu qui est avec moi, j'avais la main,
tu as pour cette église. Mais je veux que tu aies pour cette église de plus. On doit passer des témoignages de mort, de paix, de guérir, de mal qui vont te guérir. Let's go.
racine, nous ne pouvons pas avancer. Et nous voyons tout ce que vous devez marcher toute la parole. On veut même les dire d'arrêter. On veut entendre comment l'église est contente. On veut les lire l'église même en arrière. Prendre les choses qui sont cachées et révélées. Maman a dit ça, on tout avance. Ne pas être content. Moi, au courant, mon nom. Je vais vous dire des choses, frère. Mais l'autre est dans la voix. Ce qui fait que beaucoup de gens ne viennent pas à l'église. Et ça n'est pas beaucoup à l'église, dit. C'est parce qu'ils ne sont pas nourris comme ils se doivent. Quand le peuple d'église, les gens sont bien nourris. Le peuple a la somme de revenir. Parce que l'enseignement a pris. On ne pêche pas en dedans. Amenez-nous à Réhoboth. Les billets de on dans le programme de l'heure. Donnez-moi le message. Donnez-moi la parole. Je veux que mon cœur soit content. Je demande, je veux dire Amen. Avant que vous n'ayez plus un enfant à manger, la bonne sauce que sa mère a fait, ça fait des bouillies. Il n'y a pas composé de les chants, alors qu'il n'y a pas chant. C'est parce que la nourriture n'est pas. Moi, je dis à tout le monde. Et je veux que ça soit dans les écrits du Pénévangile. Mais ça me fait quoi des écrits du Pénévangile? Plus besoin de prédicateurs insignifiants aux enseignements insignifiants. Non, mais ça, mal, parole. On t'a mal fait. Et vous verrez que vous serez changé. Je suis en train de révolutionner mes collaborateurs. Ils doivent avoir l'esprit de recherche. Ils doivent sonder le message. Ils doivent sonder le prophète. Ils doivent rentrer dans les profondeurs. Dites Amen. Si vous n'avez pas les appels de pasteur. Si vous êtes le pasteur. Je vais aborder quel sujet. Amen. Comment y arriver? C'est ça. Mais je retourne. Ce n'est pas seulement la forme de l'église. Car aussi, vous voulez l'église, vous. L'église, ce n'est pas seulement les bâtiments. L'église, vous voulez qu'elle soit. Et les brebis deviennent ce qu'ils mangent. Si vous voulez un peuple rempli du Saint-Esprit, donnez-lui l'enseignement qui est le Saint-Esprit. Et si vous voulez que le peuple marche avec le surnaturel, donnez-le l'évangile qui manifeste le surnaturel. Donc, un numéro. Un numéro. A créé cette dénomination appelée Tour de Babel. Et en créant ça, mes amis, en créant le Tour de Babel, là, il y a mis tout le monde là. Donc, il s'est barré à ça. Et il s'est imposé. Mais sans la parole. Il est dominé par la force. Là, vous voulez quoi? On parle. Et il considère. Il considère. Bon matchua. Il ne sait pas si moi je suis bien. Voyage là, il va mettre tout le monde. Et la tour vraiment commence à toucher derrière le ciel. Matchua, bon matchua, bah nous sommes qui là. Quel est leur objectif? Maman va qui a vous allez au ciel? Bah soyez yolo par le bâtiment. Malais il y a les tangoya par l'église. Malais il y a les églises. C'est proche d'atteindre le ciel. Voyage tout toi. Ils parlaient tous le même langage. Ils étaient tous un peuple. Je veux un amen. Ils étaient unis. Il n'y avait pas de divergence. Il n'y avait pas de l'incompréhension. Ils s'entendaient bien. Ils étaient tous un même peuple. Ils parlaient tous un même langage. C'est ça l'unité. Et un groupe de gens ne peuvent pas s'entendre s'ils ne sont pas un. Et deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas de commun. L'unité, ce sont les accords. On dit qu'un
Ce sont des ententes. Dans le tour de Babel, c'est les affaires prospulsées. Et ils étaient vraiment en train d'atteindre le but. Je ne sais pas si vous me suivez. Dieu n'est pas mal regardé. J'avais un mot qui est. Si je laisse ce peuple, si mon yao couaille, mais ils vont être vite. Bon, moi je vais te bien aimer. Ils sont un bon quoi, vous l'homme, ils parlent le même langage. Bon, moi tu vas vous les bons. Ils sont un peuple. Bon, moi le couaille. En tout cas, si on laisse comme ça, si on est à robot. Ils vont attendre vite. Bon, moi, je vais te bien. Ils vont venir au ciel par l'air bâtiment. Bon, moi, je vais aller au moins, il va aller dans les camps de Dieu. Vous savez pas ce que Dieu a fait? Mais les gens, jamais c'est. Dieu n'a pas détruit cette œuvre. Jamais, arrête à la qui l'a commencé. Dieu a brisé l'unité. Jamais, on est allé au derrière qui n'est pas très bon. Parce que étant un, on devient fort. Maintenant, quand on a pas d'en parler. Si nous sommes un, nous sommes puissants. Un couple qui a un, l'homme et la femme sont un, on n'a pas de dispute. Un homme et sa femme qui sont un, il n'y aura pas de problème. Et je vais vous dire aujourd'hui, le diable n'a pas d'unité. Vous voyez quoi? Même dans les foyers, même au travail, même dans les églises, le genre n'est pas l'unité. Parce que Satan connaît là où l'unité règne, le peuple est puissant. La puissance est résidée dans l'unité. C'est ce que tu as chanté, frère. L'unité amène la puissance dans l'église. Et même pas l'autre église. L'unité enchante l'amour dans le foyer. L'unité amène la guérison dans l'église. Et ça va l'autre église. L'unité amène l'enchantement. Et elle pas amène l'harmonie. Et elle a pas le peuple uni avec le pasteur. Le pasteur est venu avec le peuple. Pasteur au venu là au roi. Le peuple est venu le fait de son père. Pourquoi? Le diable ne passera pas. Dans une église, l'église, pour que le diable passe, pour le il va chercher le maillot le plus faible. En d'autres termes, il va regarder celui qui n'est pas uni. Avec le pasteur, laisse l'espace. C'est par lui. On t'a dit que le diable va passer. Ce soir, je vais vous dire que vous ne devez pas être le maillon le plus faible du cœur de l'évangile. Il faut être le maillon le plus fort. Afin de partout le diable n'entre pas pour déranger l'église. Pourquoi t'as ouais? On le voit dans votre l'église. Chacun doit contrôler sa langue. On va vous le casser, les pelles là-haut. Chacun doit contrôler ses habitudes. On va casser un poil. Chacun doit contrôler ses réactions. On va casser ma main. Frère, à moi. Nous étions les papiers dans le monde. Ça va être mon tour. On ne se connaissait pas. Et toi, à moi. On ne savait pas qui vous étiez. Oui, à moi. Vous ne savez pas qui j'étais. Oui, à moi. Mais le message, c'est l'unité. Le message nous a unis. Il a pris le Camerounais au milieu de nous. Il a pris le Congolais au milieu de nous. Il a pris le Camerounais au milieu de nous. Le message nous a unis. Et le message nous a révélé nos origines. Et nos origines, ne sont pas des Vatican. Nous sommes les
On dit. Regardez mes amis. Allez, c'est à moi. Dieu dit, oh. Jamri et Yamé. Mais si je laisse ces gens ici, mon nom est Babo. Mais ils vont faire de la vie. Bon, ma vie, on tombe bien, les moyens. Dieu n'a pas de plus l'œuvre. Jamais de la grâce à la kilo pour ma vie. Mais Dieu a frappé la chose qui leur redonne la force. Non, Jamri, on t'a dit qu'il a un Babo pas de réaliser tout ça. Bon, toi, qui l'a dit aussi. Qu'est-ce qui a donné la force de réaliser ça? L'unité. Rien pour moi, pas de moi, ça calme à ma. C'est l'unité. Amen. On dit, il y a qui dit, blague, bien. C'est l'amour, la dope. Les tuyaux, les nîmes. Dieu est descendu. Diamant, ce il a dit, descendant et confondant l'heure. Mais les là, là, les talents. Les protestants disent que Dieu est descendu avec le Fils. Moi, il doit se lever la moine. Parce que Dieu a dit, descendant et confondant l'heure. Il y avait beaucoup de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils sont descendus pour confondre. Dieu avec ses attributs. Accompagné des anges. Sont descendus. Basse. De la main de l'homme. Et j'allais l'aime vous. Qui dit Gabriel. Namely Gabriel. Michael. Yes, sir. Michael. C'est la fin. C'est la fin. Si nous le laissons comme ça. Vraiment. Ça va venir à beau. C'est fini. J'allais m'en avoir. Confondons-le. Mais tu es allé à l'équipe. Confondons leur langage. Mais tu es où la joie. Dieu a. Confondu les langages. Nous avons la joie et les mots au point qu'ils s'entendent plus les uns les autres. Bon, voyez, Dieu a semé la confusion. Nous avons une équipe au tabou. Jean-Bruno. Jean-Bruno. Donnez-moi la brique. Il y a bien des briques, là. Jean-Bruno a donné à côté la pochette. Jean-Bruno. Y'a là, prochaine. Alléluia. Pour ma femme. Ton maman. Je dis brique. Mon père brique. Tu vas voir ta prochaine. Ouais, là, ta prochaine. Allez, belle manœuvre. Pas mal, ça. Regardez le ciment. Oh, y'a là le ciment. Alléluia. Oh là là. Ouais. Pas toi comment? Ou en haut, maman. Ça, c'est l'eau. Mais plus au manja. Faut faire attention. Je dis l'eau. Ça, attends, je dis l'eau. On ne montre pas le nom. On montre vraiment déjà. Donc dans sa langue, il pense que l'eau c'est autre chose. Quand elle joue l'un d'eux, on a déjà voulu le faire. Donnez-moi le ciment. Pas mal le ciment. L'autre a entendu dire, regardez ta grosse tête. Oh mon Dieu, pour le tuer. Quand on a ma tête. Non, quand même. Mon homme. Je te fais quoi? Oh, mais si on va. Confession. Amen. La confusion engendre l'incompréhension. Moi, je dois avoir ça à dire. L'incompréhension engendre les disputes. Moi, je dois avoir quoi les sous. Et le dispute engendre la séparation. Allez, si vous voulez quoi, on doit avoir les tiens et les avoir. Cette journée, oui, allez. C'était terrible. Et qui croyait moi. Même le numéro de l'humain. C'est le numéro de l'humain. Ne comprenez plus ce qui se passe. Là, tu as ma voiture. Brique, on avait l'eau, on avait le ciment. Ciment, on a donné un coup de poing. Brique, Anja, le ciment, quoi, elle est tombée. J'ai quand même dit, bon, si ça devient comme ça, moi, je ne continue plus le travail. Ma bonne ta bonne carrière, ma cruelle, ma joie, moi, elle est comme elle est. Les autres étaient dispersés dans le monde entier. Why not, Ota? Ok, c'est ça. Parce que Dieu a confondu leur langage. Bon, hein, j'ai moi, j'allais, tous les bons. Et quand il y a confusion de langage, il y aura confusion du travail. Allez, quel est le travail bon pour le travail des bébés? C'est pourquoi vous allez construire l'église ici? N'a jamais été l'église, vous ne réunissez vos idées. Mais vous en tuez bien. Et voyez ce que vous pouvez faire. Mais non, non, non. Vous voyez ça. C'est juste ça. Il n'a pas la main? Amen, non, non. Parce que si vous voulez
dit quelque chose de bien. Il savait son temps, on sait qu'il avait. On ne peut pas l'organiser dans le confusion. Ça va vous voir, ça tu as autre que lui. Chacun dans l'église est utile. Dis pour la moutée église, les gens. Et les apports ou le soutien de chacun est utile pour l'avancement de l'église. Si nous appliquons la politique de l'exclusion, si bon dame de Kalé tient la boire, les choses n'iraient pas bien. Maman, vous voyez, vous sonnez. C'est tout, c'est tout. Tout le monde est important. Madame, c'est quoi hein, la maison. Même si je ne peux pas donner l'argent, même si mon père donne, mais j'apporte mes mains. Ma main, il y a bien jamais. Ça va continuer. Allez, il y a eu autant d'années. Quand je parlais aux frères ce matin, ceux qui construisent, qui travaillent pour la construction, je dis quand je suis allé en Israël, Israël. Dieu a voulu qu'on puisse construire le temple. Mais les enfants d'Israël étaient pauvres. Ils n'avaient pas de l'argent, ils n'avaient pas de matériaux pour apporter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On commence en bas. Mais quoi, nous n'avons rien. Mais ça veut dire qu'il y a. Mais nous, nous allons utiliser nos mains. Les gars, déjà, les savent. On casse les briques. Amen. Mais les gars, brique. Ils ont cassé le corps, le gros morceau de pierre. Voilà, tu as à quelle main avec leurs mains. Amen. Voilà, tu as qui ont servi à la construction. Amen. Maman, nous, tu as déjà. Du mur qui cache la ville de Jérusalem. Moi, mon cahier, Amad, la ville de Jérusalem. 16 mètres, docteur. Amen, que vous me lâchez à et toute la ville est entourée de ce mur de 16 mètres. Là, les villes sont au cœur de la diacale. Et la ville est dedans. Les villes sont au diacale. Ce sont les apports. Les fils d'Israël qui n'avaient pas d'argent. Les parents d'Israël, les gens qui adorent. C'est pour dire que tout le monde dans l'église est important. Moi, j'avais dit partout que l'église est dans la ville. Et nous voulons que l'église travaille dans l'unité. Les sables d'église, mais les gens ont été. Là où le reste de l'unité. Là où il y a la puissance, là où il y a Dieu, Dieu rentre d'agir là où il y a l'unité. Si il n'y a pas l'unité, il y a le nom. Dieu est chassé. L'unité dont je parle doit régner dans le fils de musique. Doit régner parmi les diacres. Doit régner parmi les administrateurs. Doit régner parmi les pasteurs. Même les pasteurs du pays évangile, peu importe là où vous êtes situé. Il faut d'abord l'unité au milieu de nous. Il faut que les premiers salons pour le pasteur, pour le pasteur, sortez le pasteur au sommet. Plein l'évangile, vous êtes en train de vivre les temps apostoliques. C'est que nous n'avons jamais vu ici avant. Oh, c'est que c'est passé. Par l'âge apostolique, on a tiré la porte. Et il a voulu un leader. Un apôtre. Vous l'apôtre. Et derrière lui, vous il y a le pasteur. Un pasteur. Derrière lui, vous il y a le ministre. Nous n'avons jamais vu ça. Je ne suis pas votre chef. Je suis votre leader. Nous atteindrons le but. Est-ce que je ne comprends pas? Amen. Frère, le travail s'est arrêté. On va attendre. Et souris. Arrêtez. Alléluia. Gagnez souris. Amen, amen, amen. Dieu les a confondus. Oui. J'avoue, quel mot ça? Dieu les a confondus. J'avoue, quel mot ça? Le Dieu savait. Non, j'avoue pas y aller. Par où frapper là pour arrêter cette œuvre. Moi, je suis sous la dernière moment, ça y est. Il a changé l'emballage. Donc, où il voulait. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas de cette confusion qu'il a semé lui-même. Tu. Parce que cette confusion, il a semé ça parmi les païens. Non, mais que la bête, il est païen. Mais il ne faut pas que la seule église, la qu'il y ait la confusion. C'est pourquoi,
sont allés dans la chambre haute. Chacun avait son langage. Chacun avait sa langue. Chacun avait son tribu. Chacun avait des sa nationalité. Mais quand ils sont allés dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils sont commencé à parler en d'autres langues. Et la Bible dit, même les autres personnes, les attendaient dans leur propre langue. Ce qui a été confié là-bas, à Babylone, Dieu a réuni son langage à la Pentecôte. Pentecôte. Là où il ne pouvait pas entendre les autres, mais à la Pentecôte, même les Grecs, même les Grecs, ont entendu que les gens qui descendaient de la chambre haute parlaient. C'est quoi? C'est le retour de l'unité. De vos frères et qui parlent même langage que vous et vous leur donnez ceci et nos veuves et nos enfants sont négligés. Le diable est rentré. Oh boy, bon cabadini, plébalé tous les membres. Et je vous dis aussi que le diable a même semé les désordres entre, je crois, Pierre et Paul. Mais on lui a dit,
Or, c'était un qui était censé être la tête de l'église. Alors, pourquoi pas, là, tu vas là, tu vas l'église. Le diable est ma prêtre. On lui a dit, non, il met trois pieds. Quoi qu'il mange avec les païens, toi. Nous, à pied, toi, à table à païen. Ce sont les païens qui mangent avec les bon, à païen, à table à votre 18. Mais si vous voulez, il y a un diable dit, mais comment je vais rentrer là? On lui a dit, mon nom, il y a un bon. Parce que s'ils sont désunis, ils deviendraient faibles. S'ils n'ont plus de la considération des uns des autres, l'église n'avancera pas. L'église, mais comment je peux entrer ici? Je ne sais pas si vous me suivez. Nous sommes dans l'église de Corinthe. Le numéro de l'église est Corinthe. Comment je peux entrer? Ok. Comme il y a le pasteur Paul, il y a l'associé Apollos. Mais le pasteur Paul, nous les bénis, nous avons créé ce qu'on appelle l'esprit de fanatisme. Ah, c'est pas le même nom, bon. Le Wanga, un petit nous nous sommes de Paul. Nous nous sommes d'Apollos. L'église est divisée. L'église est à mon cas. Le champ, Paul va prêcher. Tous les Paul allaient à travers. Les premiers d'Apollos se viennent. Les gens, c'est Apollos qui prêche. Les premiers de Paul ne viennent pas. C'est pourquoi il n'est pas bon de conduire l'église en couple. Il faut un leader. Je n'entends pas les amènes. Les plus on les amène. Un groupe pour Paul. Un groupe pour Apollos. Et l'église est instable. L'église est la capitule. Les gens n'ont pas la bonne vision. Les gens ne connaissent pas qui est le pasteur. C'est pourquoi je veux. Chacun de nous qui travaille en ce qui travaille ensemble. Chacun doit connaître ses responsabilités et ses limites. Vous allez remarquer qu'on n'aura plus de problèmes. Moi, je suis pasteur associé. Mais pasteur associé. Et un pasteur associé a la responsabilité totale de l'église à l'absence du pasteur. Un pasteur, quand l'entrée l'église est sort, c'est pasteur associé. Un pasteur associé ne prend pas les décisions. Sans consulter le pasteur. Même dans l'histoire du mariage. Même si le pasteur n'est pas là. Même si le pasteur est moyen. Comprends-tu, frère? Oui, frère, yo. Il est une 50e soeur. Là, il a mon soeur, yo. Le pasteur n'est pas au courant. Pasteur, il a déjà. Ils vont se marier. Mon mari, yo, il est pas là. Le pasteur, nous sommes pas au courant. Le pasteur, nous sommes au courant. Je ne connais absolument rien. Je ne connais pas qui épouse qui. Ce n'est pas la parole de Dieu. Je fais confiance à mes collaborateurs. Et c'est une confiance à eux. Il veut devenir le mariage sans qu'il y ait de problème. Mais mettez au moins le pasteur au courant de qui va se marier à qui. Je dois connaître. Mais comme je suis arrivé là, il doit y avoir un registre ou bien un cahier. On doit me montrer combien de gens sont mariés depuis l'année 2017. Combien sont fiancés? Et quels sont les cas difficiles que les pasteurs ont prié ou bien ils ont intervenu, mais ça n'a pas marché. Combien de prophètes ont été convertis à l'absence de l'apôtre Moussel Beau? Je dois connaître l'évolution de l'église. Dans le spirituel, combien de gens en mon absence ont été baptisés du Saint-Esprit? Je dois savoir combien de premiers ont été baptisés du Saint-Esprit à mon enfant.
et combien ton cœur c'était le Seigneur. Amen. Combien sont fréquentés? Maman, elle est là, mon amour. Combien? Beaucoup de quoi? Ne paye pas la dîme. Nous ne prêchons pas ça pour nous, nous prêchons pas l'évangile pour l'argent. Mais on prêche l'évangile pour tout le monde, au fil de la parole. Comment pouvez-vous être membre d'une église du 1er au 30, du 1er au 30, du 30, du 1er janvier au 30 décembre? Tu n'as jamais payé la tapis. Est-ce que la Bible est-elle dans la parole ou pas? Vous ne filez pas la parole? Mais non, il m'a parlé. C'est pourquoi? Moi, je vous le guérison tarde. Les soldats la parole est bras. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit tarde? Parce que frère Marlon dit, Dieu donnera le Saint-Esprit à celui qui obéit à sa parole. J'avais pas le sang, tu vois, tu l'as dit, il m'a parlé. C'est pourquoi dans vos foyers, il y a tellement de problèmes, il y a une résistance de démons. Les enfants commencent à partir dans le monde parce que vous ne vivez pas la parole de Dieu. Dieu l'a dit, quand tu as de quoi, là, ma voix est tout parce que vous n'y avez pas de parole. Les démons rentrent dans vos maisons comme ils veulent. Alors, il y a autant de temps de vous mettre en les démons rentrent dans une maison où il y a le colon de feu. On a un autre temps de vous. Je ne crois pas ça. Moi, il y a la carrière. C'est qu'il y a un vide de quelque part. Moi, il y a un vide de quelque part. Il y a une porte pour vous être quelque part. Dans une maison où il y a Dieu. Vraiment! Il y a un grand et un sorcier se déguise en mari pour lui coucher. Même votre femme. On veut dire au monde à tu vas plus au calabre. Même pour vos filles. Tu ne pas la vacance. Et vous êtes chrétien? Vous chrétien. Votre épouse est chrétien? Vous chrétien. Votre enfant vient à l'église. Pas normal, l'église. Un sorcier vient te coucher avec ta femme. On veut dire, le calabre. Moi, ça ne passe pas. Donc il possède ton esprit. Amen. Et il a envoûté sentiment.
Donne-le dans ma Et vous pensez que c'est qu'une chose de rien. Vous êtes comme le quartier et Jaja. Et vous cédez. Non, on a signé. Ce que je dis, c'est la vérité. Dans mes voyages missionnaires, j'ai rencontré une sœur qui était vierge, mais ne dérangeait pas, elle ne serait mariée de lui. Elle ne comprend pas, elle pleut, pasteur. Daniel est pasteur. Je n'avais jamais connu un nom. Mais tu vois la balade. Dieu est la main mère sur la Bible. J'avais eu quoi dans la Bible. Mais je me sens déshonoré. Quoi? Mais plutôt là. Si l'esprit n'est pas ton père. Si il y a un cadavre. C'est un membre de la famille. Non, un jour. Elle ne peut pas venir ailleurs. Alors, tu m'as venu comment? Soit c'est le voisin. Ou quoi aller tel un homme. Donc, quand vous dormez, il faut sécuriser la maison. Je sécurise ma maison. Mais il y a une maison. Je sécurise ma chambre. Je sécurise l'entourage. Ah, père. Je place maintenant un ange avec une épée nue. Mais il y a pied tout ma ouvre là-bas. Et toutes les personnes. T'as des foules. Qui a franchi là. Adroya. L'ennemi de ma prière. Au bleu, voilà ma assise là. Mauvais. Je consacre ma corps, mon esprit et mon âme à Dieu. Mais pas de l'âme. N'a pas de l'autre, ma mère. Avant de dormir. Avant de mettre à toi. C'est pas il faut observer vos téléphones. Amen. Bon, qu'est-ce que c'est un bon. Si vous avez dans votre téléphone l'esprit de la pornographie, c'est l'esprit-là que vous avez regardé par la pornographie, que vous avez regardé par la masturbation, deviendront des esprits qui vous suivent. Donc, l'unité qui a été brisée là-bas à Babel a été retrouvée à la Pentecôte. Je suis l'Apollos. Oh, mais Apollos. Je suis le Paul. Oh, mais Apollos. Je suis l'Apollos. Oh, mais Apollos. Je suis le Paul. Oh, mais Paul. Pourquoi? Maman. Parce qu'il n'y avait pas un leader. Maman, vous l'avez dit, vous soyez qui? On a mis les deux. On t'a beau voler. On ne savait pas qui était réellement le conducteur de l'ennemi. C'est pourquoi? On ne conduit pas l'église en groupe. Et vous, les pères évangiles, ne cherchez pas que l'église soit conduite en groupe. Chacun ses limites. Et quand je viens de dire le départ, que le frère est mon pasteur associé, il est mon pasteur associé. Non, mais lui, le pasteur associé, il est pasteur associé. Et ne contraint pas le pasteur à laisser l'église. Non, quand il y a quelqu'un de passeur de la première église, je sais pourquoi je ne le fais pas. Mais il y a quelqu'un qui est sacré. Parce que je suis un homme qui veille sur l'ordre. Mais vous, vous avez fait ça au lendemain. Et frère, je n'aime pas les maisons là où je suis passé. Et je veux que mon nom soit gravé ici. Bon, ça, moi, mais si la foule est. Le Seigneur m'appelle aujourd'hui. J'avoue que le bébé. Le bébé se met là, un apporte passé. Mais il y a un apporte, il va venir. Et c'est pour votre propre bien. Allez, on va venir. Amen. Amen. Donc, dis encore Amen. Amen. Aujourd'hui, que l'église est autonome. Il y a l'église, là, elle était. L'église est autonome. Elle était. Personne n'a la même mission dessus de l'église. Parti pour la voler pour l'église, on y a. Je ne pose à personne. Mais viens même dans tout, on y a. Mais je suis un surveillant général. Ah, mais toi, vous voulez acquiescement, ma maman, ça. Je l'ai sur le peuple, tu as mon ministère. Mais la dix euros, pourquoi pas y aller à la Et ça, je ne m'abandonnerai pas. Là, il y a un homme pour l'on y a, ça. Je suis là pour vous. Mais il faut nous, ok. Ok, je vais parler avec un judice ici. Mais Dieu n'a pas la voix de la même idée. Oui, la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Que Neville était son pasteur associé. Neville est qui le pasteur associé? Même si Frère Banane vient, il dit notre pasteur Neville. Même si Frère Banane dit pasteur Absi Neville. C'est lui le pasteur de l'église. Il est pasteur de l'église. Amen. Mais il n'y aurait pas. Là, quand il dit le pasteur de l'église Branham. Le pasteur de l'église, au qui Branham. Neville était pasteur associé de Branham. Neville est qui le pasteur de l'homme de Branham. Qu'est-ce que Branham a dit de voir Branham a dit de moi d'en parler.
Il n'a pas besoin de demander la chair. Non. Le pauvre ami, donc ça. Il connaît que le prophète de l'église est arrivé. Il remet la chair. Rompu la baleine. Parce que le pasteur Branham est là. Non, ma pasteur Branham. Vous n'avez pas ça? Avoine. Et Neville avait son salaire? Neville est acquis dans le salaire. Et Branham son salaire. Branham est acquis dans le ouais, dans cette chose, il faut se faire. On a marqué, on veut les piquer. Moi, je ne connais pas faire ça. Mais vous, il y en a marqué ici, vous. Et je ne ferai pas travailler pour faire les ici. Et ça, qu'il faut payer. Bon, vous n'avez pas besoin d'aller pour les sacs, vous allez. C'est vous qui le payez. Les balles, les oulalés. Ce n'est pas le pasteur qui le paye. Quand pas ça, vous allez vous aller. C'est vous qui le payez. Mais vous allez quoi, l'église. Le jour où vous ne voulez pas payer, c'est le dernier. On fait les grèves. Tu es bien, toi, il y a la grève, on va vous la c'est quoi, c'est six grèves. Quand vous ne payez pas dans le travail, vous faites la grève, non? Ah, oui. Donc, vous avez dit, on va vous la grève. Et on bloque les portes de l'entreprise, nous sommes en grève. Mais tu es ma mère, on va dire, on va dire, on va dire, on va dire, il y a des livres qui sont pour nous. Les sacrificateurs, autant que la Bible, ont fait la grève. A dire, on va dire, la Bible, c'est grève. Il n'y a pas de main? Amen, on y a. Parce que dans l'église, il n'y avait plus de offrande, il n'y avait plus la vie. J'ai dit de comprendre, on a dit. Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler comme pasteur. Mais tu n'as pas de pasteur. Changez votre manière de soutenir l'église. Mais où est-ce que vous avez fait l'église? Comment une église comme le plein évangile comme ça? Comment une église comme le plein évangile vous? Il n'y a pas de offrande. Offrande, on y a. Si je prends le panier, tu l'as, je vous le montre. Si moi, on va aller dans mon lave avec elle. Vous aurez honte de vous-même. Mais les clubs sont au coup de l'homme, mais. Tout le monde est venu le dimanche. Au bout du final du dimanche. On ne peut pas arriver à 25 000. Vraiment. Ça va pour noter pour ma vie, dire l'état. Les offrandes. Mon franc. Alors que nous sommes plus de 300. Alors que ça va au coup de ça, attendez. C'est qu'il y a beaucoup de gens de mauvaise volonté au milieu de nous. Moi, j'ai dit, Balmati, allez-y, on peut aller ça avec nous. Les gens de mauvaise guerre. Comment pouvez-vous acheter des crédits de 5 000, de 10 000 francs? Comment vous nous soumettez un thème à 1000 à 1000 francs? Pour votre téléphone pour pêcher. Comment vous avez votre téléphone? Moi, ça m'a pêché. Et vous ne pouvez pas donner une offrande de 10 000 francs pour soutenir la construction. Non, on n'a pas besoin d'un 1000 francs, mais moi, il y a un autre chose. Ou bien une offrande de 1000 francs ou de 500 francs? Ou 1000 ou au Kama. Mais c'est un problème. Donc, vous avez un problème. Il y a un problème. Dieu a dit amener dans la maison de tes mais tu aimes les offrandes. Les offrandes sont différentes de la dîme. Offrande de quoi quand tu as dîme? Et ton don. Black Kilo a pas monté ma voix une fois. Je vais faire un don de 20 000 et 50 000 à l'église. Mais vous n'avez pas monté un don de 20 000 et 50 000 à l'église. Je vais faire un don de 30 000 à l'église. Mais vous n'avez pas monté un don de 20 000 et 50 000 à l'église. Qui n'a rien à voir avec mon offrande. Moi, quand tu as offrande, on est. Il n'y a pas la main? Amen. Amen, on a. Des offrandes de 50 francs, de 500 francs, de 25 francs, de 50 francs, de 100 francs. Offrande au coup d'un 50, à 25, à 100 francs. Donnez à votre Dieu le meilleur de vous-même. Quand tu as dit qu'il a eu une fois que tu m'as oublié. Combien vous donnez à votre copine que vous avez traité? On va la voir, on dit, on va y aller, on va aller quoi? 200 francs, donnez à ta copine. Il y a 100 francs, on va la voir. Elle va se défiser le jour-là. Là, tu dois me savoir où il y a. C'est la vie d'Amène. À quelle heure elle doit amener? Quand vous êtes contre votre mari, vous donne 100 francs? Vraiment! Vous donnez 100 francs? Hein? 200. 200. 500. Donc, quand même. Vous allez vous mettre dans vos états et la marée va monter. Oui, donc on t'a en date là au courant. Tu me prends pour qui? Oui, avec vous là. Tu me condamnes comme moi. Pourquoi quand c'est primé vous? Tu me donnes 100 francs, moi là, 100 francs. Ouais, mais 100 francs, mais ça y est, ma 100 francs. Je vaux 100 francs, moi là. Ouais, mais je vais vous mettre 100 francs. Moi là, je vais vaux 100 francs. Mais vous, mais vous prenez 100 francs. Tu ne blagues pas. T'as ta manière. Le jour où je vais te montrer. Tu y a ma vie, mais là, ouais. Je vais te faire salut. Mais tu vois, j'ai un homme, non, non. 100 francs, c'est quoi pour moi? 100 francs, ma homme. Dis-toi, amen. Dis-toi, amen. Alors, qu'en est-il de notre Dieu? Non, jamais, ça n'est pas bon, mon amour. Notre Seigneur. Comment ça va?
Amen. 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 Bon, pas de quoi, amen. L'homme sexe. Bon, pas de quoi, car vous devez vous jeûner. Amen. Vraiment, l'homme dit si vous voulez recevoir plus de Dieu, donnez plus. On vous donne plus au fur et à mesure que vous continuez à donner plus. Je vous bénis là. Moi, j'ai toujours rendu témoignage. Mais Dieu m'a appelé. J'ai reçu dans ma maison le pasteur Ifoko. Pasteur Ifoko, il est au temps avec son épouse. Bro, carré. On n'avait rien de maison. Qu'il a, au temps de dire, pas dit qu'il a changé. C'est le moins 100 000 francs que maman fait. 100 000. Et qui bla, quoi, maman? Maman, je vais nous voir les chéris. Non, le maman. Notre pasteur Ifoko. Pasteur à Saoul Ifoko. On ne peut pas livrer n'importe quoi, je dis. On ne pourra pas dire qu'il doit être. Tu sais qu'on n'a pas l'argent. Mais nous voyons que ça va adorer rien. Mais dit que nous avons 100 000. Nous dit ça au fond à 100 000. Donc, tout 100 000. Mais 100 000 à son. Elle dit, on va donner tout. Dernier, elle n'aime pas les 100 000 à son. Je veux dire, la révélation ne se discute pas. Alors, il y a des gens qui ont passé une poignée sous rien. Chérie, va venir, va prendre, tu mets la main, comme Dieu t'a inspiré, tu donnes. Nous n'avons rien et on reste comme ça. Mais les diamants, tout le monde, il y a un étable là, pour faire ça au Chilonia, il est à voir. Non, mais il faut que nous n'avons rien dans notre maison. Pas seulement le reste que nous avons là. Mais il y a un peu de choses que vous dites, vous n'y avez rien, il y a un quoi. Il faut que le Seigneur bénisse cette maison qui m'ont reçu. Et quand on a un coup, il y a un peu de choses, il est parti. D'où il est? On n'avait rien. Mais c'est qu'il y a. Là, je te fais seulement la nourriture qu'on a préparée hier, on a mangé. Mais il y a un petit peu de choses, il y a 12 balles. Demain, 8 heures, je sors dehors. On sort 8 heures, le jour, on est mort de matinée. J'entends mon téléphone, crrrr. Le gars, on me crrrr. Je dis, ça y est, il m'a agi là. Je suis à la maison, c'est un frère qui m'appelle. Mais l'homme doit pas les mains. Ne bouge pas, je viens de descendre des trains. Quand il y a un coup, le climat sera blessé. J'ai vraiment un bon colis pour toi ici. Mais le coup n'a qu'il est bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Là, il y a un coup d'homme. Oh Jésus. J'ai un coup d'homme. Je vois arriver comme ça, il me dit, je vois mettre la main dans la poche, je dis ça y est. Mais regarde, on a un coup pour le modèle. Il sort une grosse enveloppe comme ça. Au tout ça, on va pas miner 500. À 100 000 à taille. 500 000. À 100 000 à taille. Là, le pasteur. Amen. Amen. Merci. Je vais vous donner les témoignages forts. Amen. Vous pouvez la même, vous pouvez la même, en bas le coup. Un jour, je suis parti à Kinshasa. Tout le monde est à Kinshasa. Je fais des économies de la team. Mais au conseil, la dîme. Passez par où tu étais aux États-Unis. J'ai dit, papa, j'ai ton argent ici. Voulez-vous que je vous envoie ça? Passez par les États-Unis. Attends, mais tout le monde. Il m'a dit, bon, je suis allé descendre. J'ai dit, bon, moi, c'est bien que tu as rapidement parce que je vais parler. Il m'a dit, mais c'est rien à quoi? J'ai pris l'argent que j'ai gagné de passer par où tu es de moi. Mais il y a alors, mais est-ce qu'il est passé par le Zambon? 1 800 000. 1 000 à 100 000 fois. Tout ce qu'on me donne, je mets dans cette enveloppe kaki là. Maman, papa, elle soit, mais elle doit être un enveloppe à kaki. J'ai avancé, dit papa, voilà. Je me sens content, vous devez mentir. Dans la même enveloppe, mon bras l'a dit, mais elle est. Je vais mais tout cela. 3 600 dollars. Non, mais attendez, 600 dollars. 1 800 000 francs. 1 000 à 100 000 francs. Ah, ça va pas, c'est quelque chose. Ah, il faut avoir un cœur. Amen. On veut faire au team. J'ai déposé, je suis content de payer ça. Mais tu me dis même moi que moi vous avez. Est-ce qu'on revient? Regardez, bravo. C'est un frère qui m'amène 6 millions. Frère Roman, allez, on a mis la chiant. De la vie. La vie. On me dit Amen? Amen. On doit Amen. Ça y est. Même les mêmes moutons. Il a plus de joie à donner. Encore une fois, on part. Car c'est moi. Les moyens. Il n'y a pas d'amen. Amen, on a. Une soeur. Quel homme a perdu sa fille qui a disparu de la maison pendant une année. Moi, donc, quand on termine, on doit essayer. On s'y va être. Elle vient me voir un dimanche. Je prie pour elle aujourd'hui. Donc il a vraiment dimanche, le bon rendez-vous. Demain matin, la sœur est sortie dehors. On soit un tiers autour en dimanche. Vous prenez l'air. Moi, mon bébé, il y a 9h. Donc elle est 9h. C'est son enfant qui arrive avec un sac au dos. Donc le moment est à la blanche, il est même bon. Après, plus ou moins 2 ans de disparition.
Et si le ciel est un gamata. Ça sera dit, mais ça c'est Dieu. Il a dit que je suis Dieu. Il a dit que je suis comme ça. Je ne peux pas lui fermer le cœur. Elle a pris 1 million, mes amis. Donne 1 million à 100 000 fois. Offrande élevée. Donc, pour mon frère. Donne le charité. Donne charité. Donne à frère Bernard. À pied, frère Bernard. Oui, Nika. À milliers de fois. Un milliard de francs CFA. Un milliard de fois en français. Dans une manette d'une. On t'a balé. Il faut avoir une fermée de nouveau. On va au calé, allez dans le couloir, allez dans le couloir. Tu n'as pas la main? Amen, on a. Là, j'ai ma pied, y'a. Pourquoi faire balé, Molina? Oh, frère, mon ami préféré. Frère, balade, oh, on dit à l'air, ok. Donc, Charlie, c'est mon ami préféré. Donc, Charlie, c'est pas dit à l'air, ok. Mais elle qui faisait ça toutes les années. Là, si, quand il est si bien, ça. Et Dieu l'a rendu tellement riche qu'il a acheté la moitié d'un état des États-Unis. Là, j'ai un autre pas pour un autre soir, parler des États-Unis. Il y a des gens qui aiment la parole. Bah, la terre est mal colonale. Et qui peut vivre au-dessus des biens matériels. Il fait tomber tout pour l'avancement de l'Allemagne. Dieu n'oublie jamais quelqu'un qui fait quelque chose de bien pour lui. Et le tour est maintenant au plein évangile. Vous êtes venu dans l'église. Un grand peuple. Et vous êtes venu dans le Saint-Esprit. Maintenant, c'est l'heure. Dîner, soutenir, moi yaga, le Dieu qui vous a donné la vie éternelle. J'avais un rappel de tout le monde. Nous ne devons plus maintenant chercher l'argent. Parce que notre Dieu nous a bénis. J'avais un rappel de tout le monde. L'associer dans les moindres choses que le Seigneur nous donne. On doit vous dire que, on t'a fait ma main, ça va m'empower. Va lire le Genèse 28. Genèse, vous me direz dans quoi? Qu'est-ce que Jacob a dit? Oui, Jacob a dit quoi? Cet endroit est la maison de l'éternel. Dibini, Dieu tient. Si vous me donnez, oui. Si vous me parlez, dans mon parcours, quelque chose pour m'habiller, qui l'a, et vous voulez la femme, quelque chose pour manger, qui l'a, et même vous voulez la femme, l'éternel sera mon Dieu, le diamant, il aucun diamant. Et je lui donnerai la dîme de tout ce qu'il me donnera. Amen. Je voulais la dîme, les sons et la dîme. Ce n'est pas Dieu qui a demandé la dîme à Jacob. Quand Dieu m'a dit Jacob l'a dit. Et c'est Jacob qui a eu la révélation. Jacob, le frère m'a dit, tu m'as dit. Et c'est vraiment lui qui a les grandes bénédictions qui suivent de ce qu'il peut la dire. Vraiment, vraiment. Et le temps de sachant ça, il détourne les gens pour ne pas payer la dîme. Afin de leur arracher la bénédiction. Aujourd'hui, je parlais de ça, mais c'est pas un entre vos mains. Bénissez Dieu, soutenez Dieu, et frère Bernard, si Dieu ne vous bénit pas, vous allez prêter par l'hypocrite. Ce sont les paroles de William Maria Bernard. Payez votre dîme, payez les offrandes, William Bernard m'a dit, Dieu ne vous bénit pas. Et la dîme, là la dîme, doit être donnée. Amen. Dans la maison du trésor. On fait le pécaï. On t'a mis dans au vous, on diable. Je ne peux pas vous aider à une petite chose et je peux vous aider et vous laisser dans d'autres. Mon problème n'est pas de ma mère, mais n'y a pas de ma maman. Je ne peux pas vous aider en tout. Mon problème n'est pas de et même si vous dites que le pasteur, là, vraiment, il a besoin d'argent, je m'en fous. Si vous avez le pasteur, il n'a pas la loi, quand même. Excusez-moi, c'est une expression qui ne peut pas être utilisée, mais là, je dis ça. C'est la parole? Amen. Je vous le parle. Amen.
Si ce n'est pas écrit ici, je n'en parlerai pas. L'homme ne vit pas du pain seulement. L'homme vit de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vais entendre l'homme. Aujourd'hui, Louvé, c'est la famille de Kamopaya. La famille de Kamopaya. Je vais plus quelque chose de mais là, tu l'as mon voir. Votre mari, papa, a planté un mémorial de prévu pour l'évangile. Alors, on a fait la qui l'a aidé pour l'évangile. Mon petit frère, prie pour moi, pasteur. Ni madame, mon bonhomme, pasteur. Je veux que Dieu vous garde à mon santé. Mais ça me dit à moi, quel est le malaise à l'élève? Je prie pour lui. Mais bonhomme. Il dit, pasteur, comme vous êtes en train de construire, je veux soutenir l'église. Il dit, pasteur, comme on l'autre autour, mais ça y est, il y a église. 200 000. Donc, à 100 000, vous allez soutenir. Moyen. Amen. Vous pensez que Dieu va oublier ça? Non. C'est les diamants, vous les marquer. Il y a d'autres personnes qui vont entrer au ciel pour avoir fait du bien à la vie. Par la commande, j'aurais eu l'eau. Moi, ça les aime, c'est l'église. Avec cet argent, j'ai acheté des baffles pour l'église de Port-Gentil. Là, je vais vous donner un baffle. L'église de Port-Gentil. Comment tu es? Pas oublier un monsieur comme ça. Comment diamant vous donnez ma. Parce que chaque fois que les enfants de Dieu vont écouter l'évangile par ses baffes, parce que si les balles en diamant vont avoir votre baffes là, Dieu s'en souviendra de lui. Diamant, vous dites, oui, balan. Vous dites la vérité. Beaucoup de gens vont entrer au ciel à cause des bienfaits. Vous les parlez de Dieu, vous voyez, on m'a marre d'abonnement. Et vous-même qui êtes là, les anciens, la Bible, les lignes, la balle, ma foudre, ancien de nom. Ancienne de titre, et tu mais on ne vit pas là de boulogne, ma balle. Frère Condé, vraiment, voilà le Condé. Mais allez au Mali. Ah, le Mali. C'est Mali, il a fait une année au Mali. Donc, c'est aussi bon, le Mali. Et chaque mois, il gardait sa vie pendant une année. Pas tout le monde, nos pieds la dîme, moi c'est vrai, et quand il a appris, c'est parce que nous sommes vraiment dîmes de une année. Parce que nous sommes doyés à venir, on a la dîme, mais nous sommes vrai, c'est vrai. Que je fais au Mali. Oh, mais c'est le Mali. Aujourd'hui, levé. Vraiment. Dieu l'a récompensé les États-Unis. Jamais, pour vous amener à les États-Unis. Si vous voulez voir les grandes choses dans votre vie, soutenez que Dieu, grandement Dieu. Si vous voulez être maman, nous avons vu les villes de Yaman, diamant et maman. Frère, nous ne devons pas. N'est-ce pas? Et souffrir! Ça le haut, le pot a en passé. Et les enfants de Dieu, il y a d'autres qui manquent la nourriture. Madame, j'en ai un fourni, j'en ai un bon. Il n'y a rien à leur donner. Il y a, ma bonne bonne. Oh, l'église prend soin des siens. L'église, il y a un attaque à l'accompagner. Nous avons le frère Léonard qui est là, il vient d'être malade, on a pris sa frère Léonard. Voilà, mais là, il y a un autre quand le frère, un frère de l'église est malade comme ça. Là, on voit l'église, il y a un autre qui a un peu de faire une surprise en achetant, n'est-ce pas, les ordonnances. Mais c'est un coup moi je suis mon ordonnance. Sans qu'il ne puisse accepter, il puisse chercher, on lui fait une surprise. Sans que l'aime n'aille, ça va être un coup d'eau. Ça fait du bien à l'église. Et bien, il y a une autre église. Je ne crois pas à une église pauvre. Mais quand il y a l'église, moi, je suis pauvre. Notre Dieu est riche. Jamais ça ne nous fout. Il n'y a pas la main. Amen, Donia. Et c'est nous-mêmes qui doivent faire prospérer notre église. Ça veut dire que nous allons aller pour l'église, ça veut dire. Avec un soutien positif. Blague, il m'a marqué. Et vous devez vous soucier. On veut les mots d'Obi. En gaspant un 10 000 ailleurs. Moi, pas 10 000, Obi d'Ota. Alors que le même 10 000 peut être utile pour l'église. Alors que 10 000, il y a, vous n'avez pas dit un petit église. Il faut que nous soutenions l'église. On veut ça, il y a une église. Faites ça. Les sacs à l'église. Vous avez la main de Dieu. Mais là, on a un ça, t'as dit qu'elle a fait. Et Dieu vous bénira. Jamais, je vous savais. Vous devez faire tout votre ami le jour de la réunion. On veut laisser parler des autres tout le coin. Mettre toujours quelque chose à côté pour les offrandes et les dons. Moi, je dis la haute, on peut offrandre. La vie est haute, on va venir de l'Opa. Pas seulement 100 francs. Quand ça faut donner, si vous vous donnez 100 francs, alors les enfants ne comptent pas sur le côté. Non, on passe en papa avec le collègue, mange en forme. Changez votre manière d'agir. Les roulants, vous pouvez appeler sa main. Et vous pouvez la main de Dieu. N'a pas de propos diable. Ma dernier conseil, c'est celui-ci. N'a dit le même, c'est même pas de founer. Je laisse l'église. Mais il y a l'église, en me déplaçant.
Je dis aux frères, à moi et tous les autres frères. Je ne suis pas obligé de venir tous les jours à Haute-Goué et rester à France. Et tu as fait comme elle, Haute-Goué, mais qui a ce bon? Je peux aussi rester à Mouna. Mais c'est pour moi, d'accord. De la même manière qu'on peut payer un hôtel pour moi à France, on peut aussi payer un hôtel pour moi à vous avez besoin de bénéficier de ma chaleur. Et on va manger les manioc avec les poumons. Quand vous serez prêts que je reviens ici, vous me direz. Ça dépend de la contribution que vous pouvez faire. Je peux savoir déficit de chambre. Et je serais heureux même d'acheter une parcelle et de se construire. Moi, je m'en attends pour nous avec vous. Donc, ça dépend de vos contributions. Qui peut m'appeler si dans une semaine, deux semaines ou trois semaines. Ça dépend de vous. Mais je crois que vous allez bénéficier quelque chose de positif. Et je veux que l'église. Mais ça m'église. Prospère positivement. Et pour l'autre, bien jamais. À mon absence. Donc là, jusqu'à ce que je vienne venir. J'ai dit de venir à amen. Servez là. Pasteur, on est là. Et j'avais parlé avec lui, il m'a dit, pasteur, je vais vraiment me reposer un peu. Mais je vais aller dire, pasteur, mais pour nous mettre ça, ou et j'avais dit que le frère Dieu ici peut prêcher. Mais les voix, le Dieu est pour nous monter la barre. Et le pasteur Jean-Bruno est là. Pasteur Jean-Bruno est là. Et il peut venir de temps en temps ici. Non, pas quand il m'a pour a fouillé ses. Ne pas les penser du plus négatif. Le pasteur nous sommes fait arracher l'église et que vous frère Jerry. Ces choses-là, c'est le diable qui dit. Allez, nous sommes là pour l'église, mon banquier, non, le frère peut continuer pour nous aider. Et ce n'est pas que je vais enlever le pasteur. Comment ça? Quand même, mon Dieu, c'est pasteur, mais nous avons. Nous ne serons pas comme jamais. Allez, comme ma maman, ta voix. Il y a pas la main? Amen, maman. Donc, je veux que les choses soient faites comme ici. Mais vous recevez toute personne qui passe ici, selon l'ordre qui passe ici. Parce que pour la coupe, les yamènes ne viennent pas sur le ciel. D'accord. On t'a les jours, c'est mon frère. Bon, à vous, à ça. Nous aimons le pasteur aidé. Les jours, le pasteur aidé. C'est notre pasteur. Le pasteur à ça. Amen. Je veux simplement que toute l'église, mais ça coupe l'église, elle sort. Soit une église vivante. Et quelle église, hein? Mais elle est moi. Où chacun doit se soucier de la bonne marche de l'église. Donnez à cette église le meilleur de vous-même. Souciez-vous de votre église. L'église église est. Et je demande au pasteur. Non, merci, pasteur. Si on peut tenir une convention d'ici le mois de mars, si nous avons le temps. Si ça ne voulait ça, au cours au mois. Parler dans mon amas. Une convention régionale du pays de l'Évangile. Les autres pouvoirs ont appelé l'Évangile. Et avant la grande convention. Alors, ça reste au cours, on est là, tu l'as. Donc, si vous voulez bien, pendant les vacances de Pâques, si nous sommes encore. Si vous êtes en train de faire Pâques, on peut se faire quelque chose. Les gens qui l'ont. Pour avoir une grande convention. Je vais utiliser. J'ai déjà parlé avec les pasteurs, on va utiliser. Moi, tu as vu la pasteur, on a vu les questions, les sacades. Merci pour avoir reçu votre cher apôtre, le pasteur Mosembo. J'étais très content que tu sois entre vous. Mais je fais juste un petit déplacement pour un petit temps. Et vous me verrez ici. Amen. Ok? Je vous le promets, je vais revenir. Même pas une dame, mais je dois la faire. Je vais revenir ici. Donc, je compte sur vos prières. Et moi aussi, je prierai pour vous. Les chers réunions sont toujours mercredi, vendredi et dimanche. Et tu es au pouvoir mercredi, vendredi et dimanche. Et pendant la semaine. Moi, ta semaine. Nous avons jugé que la prédication soit au moins à 1h30. Et que l'église prie pendant 30 minutes. Vous devez beaucoup prier.
Et les bénédictions de l'année, vous allez m'entendre, je vais les prononcer pour toutes les amis du Pénéla. Yeah. Amen. Est-ce qu'il me salue vos frères? Je peux le faire? Puisque vous êtes chrétiens, nous sommes des croyants, imposez vous les mains les uns les autres et je vais prier. Venez mais les chrétiens, pas croyants, à des fois d'abord ça fait, non mais bon. Attrapez-vous les mains. Les fois d'abord. Saint début Soit sur chacun. Quand ils vont marcher
marcher. Quand ils vont prendre le taxi. Comment y a taxi? Partout ils seraient. Que toi, l'ange Seigneur. Donc le serviteur. Tu sois leur protection. La journée tout comme la nuit. Ne permets pas à un sorcier de toucher. Que chacun soit environné par la corde de feu. Seigneur Jésus. Que mes filles se marient. Mes frères trouvent le travail et l'argent. Seigneur, fais répandre ta grâce sur chacun. Et que chacun sente le Dieu de ma commission. Et que Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, sois avec eux. Alors que je viens d'en. Alors, même pas au dialogue. Ce qui était malade durant l'année 2017. Le myome, le kyste, la stérilité, le mal de tête, le mal de tête, les maladies de ventre, oh, les règles bloquées, tout ce que Satan fait, je chasse le nom de Jésus, je libère le peuple que tu m'as donné. Comme chaque homme appelle ses enfants, je bénis mon peuple. Je bénis mes enfants, la corde de feu, le délivre, le libère, pour quel démon de l'enfer, marchez dans mon corps, ils sont libres, ils sont franchis, ils sont libres, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, on donne le travail à ce diamant, donne l'argent à ce diamant besoin. Soutiens l'église. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas une église pauvre. Donne-nous les moyens. Donne-nous les moyens à tes enfants afin de soutenir l'église. Au nom de Jésus, là où il y avait la sécheresse, envoie la restauration, envoie le plus de bénédiction sur le peuple. Au nom de Jésus, que tu le puisses expérimenter. Les guérisons miraculeuses qui expérimentent la puissance de Dieu dans leur vie. Que l'onction qui est sur moi entre en eux. Protège l'église. Protège leur vie. Sois leur soutien, Seigneur. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs manquements. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont bénis pendant la Noël. Ils sont bénis pendant la bonne année. Ils sont bénis en nouvelle année. Qu'ils soient comblés de grâce divine. Au nom de Jésus. Comme cela. Alors que j'ai prié. Alors même on voit. Avec foi. Là la foi. Amen. Amen. Écoutez, laissez Dieu parler. Accordé. Dieu est content. Bien. N'oubliez pas l'unité. L'unité est dans l'amour. On dit qu'on est au salaire de soi. Sans l'unité, les choses ne marcheraient pas. Sans on dit qu'à maman, vous voyez, vous sautez. Sans l'unité, on vous l'a dit qu'à vous ne pousserez pas. Bon, vous voyez, vous sautez. Amen. Préservez l'unité. Considérez votre frère comme un homme, il a des erreurs. Considérez votre femme comme un homme, comme une personne, il a des erreurs. Ne voyez pas les erreurs de frère, voyez l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Pour ton frère, pour ta soeur, pour ton époux.
Qu'est-ce que vous voulez dire? On va aller au local. On va aller au local. S'il a des erreurs, si elle m'a même bien le local, prie pour lui. Bon nom de. Et Dieu l'aidera. Il sera changé. La prière change les choses. La prière a une puissance. Et Dieu vous bénira. Merci beaucoup. N'oubliez pas de prier pour le pasteur Révin. Je vais dire, tu as trop maigri. Si tu continues à maigrir, je vais arracher toutes tes restes. Mais quand même, on a fait des rôles là. Avant, on a dit que je ne t'admirerai pas, je serai là. Quand même, on a dit que je ne crois pas que vous avez été béni dans ce jour ici. Nous continuons avec la promesse de Marc 16. Et on va parler de la promesse de Joël 2. On parlera de la promesse de Luc 17:30. De cette merveilleuse promesse que Dieu nous a donné, qui constitue même la toute vie, le socle de notre foi. Nous en parlerons. Amen. Je vais prier pour la sœur Mopaya et puis la sœur ici. Ouais. Venez me voir tout à l'heure. Merci. Dieu bénisse Shalom. D'accord. Nous avions. D'accord, merci. Je vous donne ici. Shalom. Merci. Et Dieu bénisse. Nous sommes appelés à nous encheminer vers Saint-Saëns. Je viens devant vous en tant que.